Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que vous avez trouvé cette vidéo dans vos suggestions, peut-être qu'un ami vous l'a envoyé, enfin bref. J'espère vraiment que cette vidéo va vous amuser, elle va vous permettre d'exprimer votre créativité. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer un bout de polystyrène comme ça en petit planeur ou avion, peu importe. Bon, celui-là, il est un peu gros. Donc celui-là fait quasiment 30 cm d'envergure, un tout petit peu moins je crois, 28 cm, et il fait 0,65 g. C'est impressionnant, tel quel en l'état il fait 0,65 g. Et celui-ci qui fait 55 cm d'envergure, c'est une réplique un peu d'un mini Moa, c'est voilà une photo. Et donc ce planeur-là fait 1,8 g pour 55 cm d'envergure. Et donc comment je passe d'une planche comme ça qui fait 2 cm d'épaisseur à des feuilles de polystyrène. Attendez, je vais vous en prendre une qui n'est pas taillée en forme, voilà. Donc j'arrive à des choses extrêmement fines, mais bon, vu que c'est fin, c'est très fragile aussi. Bref, comment je fais ça? Tout simplement avec l'aide de ce que l'on appelle un fil chaud, ou fil à chaud, ou fil chaud à couper le polystyrène, peu importe comment vous l'appelez. Bref, je vais vous apprendre aussi en construire, hein, tout simplement à l'aide d'une pile 9 volts, de pique à barbecue, du fil d'acier ou un petit fil que vous allez trouver si vous avez ça. Bien sûr, il faut qu'il soit métallique pour être conducteur, c'est beaucoup mieux quand même. Et très fin, 0,5 mm de diamètre, c'est le maximum, et 0,2 mm au minimum, on va dire. Et donc, il va vous falloir ça, et aussi un pistolet à colle pour pouvoir assembler tout ça. Bref, on commence la construction de notre petit arc à fil chaud. Ah oui, et une petite chose que j'ai oublié de dire, une corde de guitare métallique, une corde de guitare électrique en général, ou folk, une des plus fines, peut très très bien marcher en tant que fil pour faire le fil chaud. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc, ce que l'on va faire, on va utiliser nos baguettes en bois, tout simplement pour en faire un H, comme ceci, où en bas, il y aura notre fil, et au-dessus, quelque chose qui va permettre de le tendre. Donc, ensuite, tout simplement, comment faire chauffer notre fil avec une pile? Et bien, tout simplement en faisant un court-circuit. Là, si j'y mets comme ça, je pense que ça va devenir rouge assez vite. Voilà, ça fait des belles étincelles et de la fumée. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça marche. Déjà, pour tester la conductivité de votre fil, et il est encore un petit peu chaud. Alors, heureusement, ça chauffe pas très longtemps. Une chose que j'ai oublié de mentionner, il vous faudra aussi des petits fils électriques. Bien sûr, il faut quand même un diamètre suffisant. Faut que ça puisse, pour le coup, emmener le courant sans chauffer. Là, le but, c'est de faire une résistance avec un fil fin. Donc, on va commencer déjà par assembler notre arc en lui-même en se servant de notre petit pistolet à colle. Donc, bien sûr, pour éviter de se blesser, je vous conseille fortement de commencer par couper les pointes avec une pince coupante. C'est très important de les couper. Je vous conseille de les retenir pour pas qu'elles giclent. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant que j'ai mes trois baguettes, je vais en tailler une un peu plus courte que les autres. C'est celle-là qui me servira comme baguette centrale. Donc, je vais prendre une règle pour vous montrer quelle longueur elle doit faire pour que ça chauffe correctement. Donc ici, on a une baguette qui, comme vous le voyez, fait 27,5 cm à peu près. On va la couper à 25 cm. Donc pas besoin d'être extrêmement précis, c'est 25 cm environ. Voilà. Et donc, maintenant que notre pistolet à colle est chaud, on va mettre la pile de côté. Eh bien, on va tout simplement... Alors, petite astuce... Je vous recommande fortement d'utiliser du scotch, donc du gros scotch comme ceci, ça peut bien marcher, pour mettre sur votre surface où vous bricolez, pour ne pas avoir de colle chaude sur votre petit tapis de bricolage. Voilà. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout simplement coller ensemble les baguettes. Donc on va commencer par celui-là. Hop. Donc la hauteur, etc., ce n'est pas très important. Le plus important,
c'est de mettre assez de colle pour que ça tienne. Donc voilà, on met bien au milieu, rouler un peu, et après, laisser durcir. Donc on va faire un côté à la fois. Et bien sûr, comme j'ai dit, il faut bien faire un H. Attendez, vous voyez pas, hop, voilà. Il faut bien faire un H pour que, après, on puisse tendre au-dessus une ficelle qui répartisse bien les forces. Voilà, je fais l'autre côté et après je vous montre comment on fait pour la ficelle. Voilà, alors maintenant nous avons notre petit H comme ceci. Donc comme vous voyez, j'ai laissé un petit peu plus long au-dessus qu'en dessous. Et il faut qu'il y ait à quelques millimètres près la même longueur ici et là. Maintenant, pour fixer notre fil et nos élastiques, parce qu'il va falloir, comme je l'ai dit au début, contrer la tension qu'il va y avoir en bas pour éviter d'exercer trop de force sur les joints, vous allez prendre une petite scie ou un cutter ou un couteau. Je vous conseille fortement de prendre quand même une scie à métaux pour faire une petite entaille à 5-6 mm au-dessus de la base. Donc faites très attention à ne pas vous couper, hein. C'est quand même très important, ne pas saturer les hôpitaux en ce moment. Et donc faites une petite entaille, juste suffisante, hein, pas besoin qu'elle fasse 2 mm de profondeur, juste un demi millimètre, ça suffit largement, c'est juste pour que votre fil ne glisse pas une fois noué. Voilà, je vous reprends tout de suite dès que j'ai fait mes petites entailles. Voilà, mes petites entailles sont faites comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il faut que de chaque côté, elles soient vraiment à la même hauteur. C'est très très important pour que quand vous allez faire avec votre fil chaud, ce soit bien symétrique, parce que vous allez en fait poser votre fil chaud sur votre table et après tirer votre polystyrène à travers, et c'est ça qui va faire une bonne découpe régulière. Le fil chaud, lui, ne doit pas bouger. Voilà, on continue. Maintenant on va installer notre fil. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai envie de vous dire, vous allez tout simplement faire d'un côté une boucle, hein. Donc voilà, vous faites ce que l'on appelle un nœud queue de vache. Donc vous prenez une boucle comme ceci, et après vous faites un nœud simple avec, d'accord? Vous faites tout simplement, hop, voilà, comme ceci, voilà, notre petite queue de vache. Et donc bien sûr, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop grande. Là, elle est peut-être un petit peu trop grande, ma queue de vache, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, vous n'êtes pas obligé de couper non plus des planches qui font 30 cm de large avec votre fil. Voilà, et après de l'autre côté vous allez venir tendre un peu pour que ça déforme un petit peu votre H comme ceci, et faire un nœud simple. Alors vous allez vous dire, je fais un truc qui chauffe avec du bois, est-ce que ça va pas brûler? Non, parce que en fait tout simplement l'endroit où ça va chauffer va être entre les deux fils que l'on va mettre sur ce fil là et pas à l'extérieur. Bien sûr, le fil chauffera quand même un tout petit peu autour. Donc maintenant vous refaites un deuxième nœud pour être sûr que ça se défasse pas, que ça se détende pas, parce que sachant que le fil va chauffer, ça va bouger un petit peu. Voilà, donc là ce que j'utilise, c'est un fil très très semblable à une corde de guitare, comme je l'ai dit au début. Et donc maintenant vous allez prendre tout simplement le reste du fil, vous allez le couper, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire pour que mon arc, tout simplement, se cambre un peu de l'autre côté, pour avoir le plus bel effet possible. Non, en fait, tout simplement parce que vu que mon fil va chauffer en bas, avec la chaleur, il va se détendre un petit peu. Et donc du coup, pour contrer ça, eh bien, il faut que l'arc soit tendu. Il a une tension pour éviter que le fil se détende, dans ce cas-là, fasse une mauvaise découpe. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon arc qui est prêt. J'ai plus qu'à mettre mes fils. Donc bien sûr, il faut les dénuder à chaque bout. Donc dénudez-les sur suffisamment long. Voilà. Environ 1 cm, 1 cm et demi, ça devrait suffire. Bien sûr, du côté où il va y avoir la pile, il vaut mieux le dénuder sur moins long. Et ça, pour une bonne raison, c'est tout simplement pour éviter les courts-circuits un peu trop tôt. C'est-à-dire avant le fil. Donc, sur 5-6 mm, ça suffit largement. Peut-être même moins si votre fil est un petit peu gros. Ensuite, ce qu'il vous suffit de faire, on arrive à la fin, c'est d'enrouler votre
fil électrique autour de votre fil de guitare ou peu importe, de votre fil métallique de votre arc pour que ça conduise l'électricité. Alors sachez que le diamètre et la longueur du fil vont affecter sa chaleur en fonction du voltage de votre batterie. Plus votre voltage est faible, plus il vous faudra un fil fin et court. Voilà, maintenant ce que ça donne, c'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à relier à ma pile et je vais vous montrer, ça peut couper du polystyrène. Faites très attention, ça chauffe très très chaud, donc n'y mettez pas les doigts. Si vous voulez voir si ça chauffe, mettez-y quelque chose d'autre que vos doigts. Vraiment, ça chauffe très très fort, vous pourriez vous brûler vraiment gravement. Donc voilà, notre pile 9 volts est ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout de scotch. Donc du scotch électricien, c'est un peu mieux, comme celui-ci. Et donc, je vais venir mettre... Donc la polarité, pour le coup, ne tient pas vraiment d'importance. Donc vous allez juste mettre un fil comme ceci. Vous allez venir le scotcher, comme ça, et mettre l'autre. Alors celle-là, il va être très très important de ne pas toucher le fil, parce qu'il devrait chauffer immédiatement. Voilà, là je mets le contact, et voilà, on voit tout de suite la fumée qui se dégage. Et là, si je mets mon polystyrène, il se coupe. Et voilà, on a notre fil chaud. C'est quand même fantastique. Maintenant, on n'a plus qu'à découper des petites planchettes. Et donc, sans transition, nous voilà dans mon atelier. Donc, je ne vais pas utiliser pour le coup le petit arc que je viens de fabriquer, mais celui-ci. D'accord, c'est pas du tout la même taille, mais c'est juste que celui-là, il est fait avec une alimentation stabilisée, donc je peux contrôler parfaitement la température de mon arc. Il est alimenté via le 220. Donc c'est beaucoup beaucoup plus simple à faire fonctionner. Juste une chose très très importante, les fumées qui sont dégagées par le polystyrène fondu sont toxiques. Donc si vous souhaitez découper votre polystyrène, faites-le proche d'une fenêtre ouverte avec un ventilateur ou quelque chose qui ventile proche de vous pour vraiment éviter à tout prix de respirer ces fumées toxiques. Vous allez voir, moi je vais porter un masque, là je parle parce que je pourrais pas parler pendant que je fais la découpe, mais je tiens à vous montrer un petit peu comment je fais pour que vous ayez aussi un petit peu la technique. Et voilà, surtout, ou sinon faites-le dans votre garage ou à un endroit où vous n'êtes pas constamment, et surtout vraiment avec de la ventilation quoi. Faut surtout pas respirer ces fumées. Voilà, maintenant je vais passer à la découpe et je vais vous montrer comment faire des petites planchettes comme ça. Donc, très important, le fil ne bouge pas. C'est vous qui faites bouger le polystyrène. Vous voyez la fumée ? Et ça coupe comme dans du beurre. Voilà, alors ça c'est un peu épais. Maintenant je vais surélever un petit peu mon masque pour changer l'épaisseur de découpe. En fait. Voilà, alors vous voyez à des moments j'étais un peu fin, mais j'ai toute cette partie là qui est bonne. Alors maintenant, c'est à vous d'essayer, et surtout, respirez pas ces fumées là. Par contre, l'avantage c'est que dès qu'on coupe le fil,
il est tout de suite froid. D'accord ? Il se refroidit en quelques secondes. C'est l'avantage qu'il soit tout petit, tout fin. C'est que. Attendez. C'est que le fil se refroidit extrêmement vite. Vous pouvez le toucher, le prendre après à pleine main au bout de 30 secondes, il est complètement froid. Et donc, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à fabriquer des petits planeurs avec le polystyrène qu'on a découpé. Allez, on retourne dans ma chambre pour que je vous montre la suite, tout simplement. Et donc, de retour ici. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, tout simplement, c'est faire un planeur avec cette petite plaque-là. Donc, je vous le dis tout de suite, la partie qui est trop fine ici, on peut la découper direct. Si vous ne vous sentez pas de manipuler une lame de cutter ou quelque chose comme ça qui est très aiguisée, je vous conseille, avec des bons ciseaux bien sûr, prenez pas des ciseaux qui coupent pas, sinon ça ne marchera pas. Parce que c'est quand même relativement délicat comme matière à découper. Ça se découpe bien, hein, mais je vous conseille quand même fortement de prendre des bons ciseaux ou alors une lame de cutter neuve. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, faites très attention à ne pas vous faire mal. Je me décharge complètement si jamais il vous arrive quelque chose pendant que vous fabriquez un petit planeur ou que vous découpez votre plaque de polystyrène. Mais voilà, je vais vous montrer maintenant avec mon feutre, ma règle et ma petite plaque de polystyrène comment faire un tout petit planeur qui peut voler dans votre salon très facilement en 30 secondes. Voilà, allez, on y va. Donc, j'ai ici ma petite plaque de polystyrène. Et si jamais vous avez, comme moi ici, un côté épais et un côté fin, prenez le côté fin comme l'arrière de votre aile. Donc là, ce que l'on va faire, c'est une aile volante. Une aile volante, bah, comme son nom l'indique, c'est juste une aile. Il n'y a pas de fuselage. Donc en général, ça a une forme un peu de flèche. Donc, mesurez votre plaque. Ici, je n'ai aucune idée de quelle largeur elle fait. Elle fait donc 16 cm de large. Donc 8 cm, ce sera notre centre. Voilà, donc on va faire un petit trait à 8 cm. Il n'y a pas besoin d'être précis au millimètre près non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Et donc on va faire une flèche, on va prendre, allez, on va faire une pente jusqu'à 5 cm. Voilà, à peu près. On prend l'autre bout, hop, 5 cm. Voilà, et maintenant, vous prenez vos ciseaux ou votre cutter. Donc si vous faites au ciseau, je vous conseille de tracer d'abord une ligne et après de découper au ciseau. Si vous faites comme moi au cutter, vous pouvez simplement prendre votre lame et y aller tout doucement sans appuyer trop fort. Repasser une deuxième fois et hop, c'est bon. Voilà, vous avez coupé votre premier côté. Maintenant, faites la même chose. N'oubliez pas que l'arrière, c'est le côté le plus fin. Là, ce que l'on fait, c'est le nez. Vous voyez comme ça coupe bien une lame neuve. Et donc là, on a quasiment une esquisse d'aile volante. Ce que l'on va juste faire, bah, c'est reproduire exactement la même chose, mais à l'inverse de ce côté-là. C'est-à-dire, bah, on va reprendre, allez, on va dire 5 cm aussi. Hop. Au centre. Donc bien sûr, c'est le centre à peu près. On n'a pas besoin d'être très précis, comme je vous l'ai dit. Et on prend un coin. Hop. Et l'autre coin, on fait exactement la même chose. Oula, je suis parti un petit peu de travers, c'est pas très grave. C'est l'avantage de ce genre de choses-là, c'est que vu que ça coûte rien, une petite erreur n'est pas très grave. Et du coup, bah, je vais même la corriger comme ceci, en reprenant un petit peu plus. Et voilà, on a notre petite aile volante. Voilà, vous la voyez en entier. Mais là, tel que ça, elle ne volerait pas très bien. C'est pour ça que ce qu'il vous faut maintenant, c'est de la pâte à fixe UU. Ça va nous servir à équilibrer notre petite aile volante. Et ça, je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Alors, juste par pure curiosité, on va peser notre petite aile volante. Je suis vraiment curieux de savoir à quel poids elle arrive. Donc, c'est une balance précise au centième de gramme. Ici, nous sommes à 0,44 grammes. C'est quand même extrêmement léger. Donc, bien sûr, comme je disais, il va falloir l'équilibrer avec un petit peu de pâte à fixe. Donc, je pense qu'on va rajouter maximum un dixième de gramme. Donc, je vais vous montrer comment on équilibre, pourquoi, et d'ailleurs, pourquoi il faut l'équilibrer. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai rajouté le petit bout de pâte à fixe qui va me servir à équilibrer l'aile volante. Mais je vais l'enlever d'abord pour vous montrer ce que ça fait quand elle n'est pas équilibré pour que vous voyez bien
la différence. Donc quand elle n'est pas équilibrée, si j'essaie de la faire voler, donc on la lance un peu vers l'avant, voilà ce qui se passe. Elle fait tout simplement ce qu'on appellera la feuille morte. Alors pourquoi elle fait la feuille morte comme ça? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'est pas bien équilibrée par rapport à son centre de poussée. Donc du coup pour bien l'équilibrer, parce que ce qu'on veut en général c'est qu'elle se déplace vers l'avant, donc du coup on va l'équilibrer plus vers l'avant par rapport à son centre de poussée pour que tout simplement elle plane. Donc ce qu'on va faire c'est mettre un petit peu de poids sur l'avant et recommencer. Et donc là je le mets le plus loin possible. Et vous allez pouvoir voir que maintenant ça vole. Et voilà. Bon, après, bien sûr, évidemment, il faut ajuster cette masse. C'est pas une masse au hasard. Si jamais il y en a trop, elle va tout simplement plonger. S'il n'y en a pas assez, tout simplement, elle va faire des vagues ou même continuer de faire la feuille morte. Donc voilà. Maintenant, la conclusion. Bon, et ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous abordez ce nouveau sujet que de fabriquer vos propres petits modèles pour vous amuser dans votre salon. Donc, bien évidemment, là, on est sur quelque chose de très très simple, une petite aile volante. Mais dans un prochain épisode, vous apprendrez à construire des modèles comme ceux-ci, qui sont bien plus complexes. On commencera d'abord par un modèle relativement simple, comme celui-ci. Et après, pourquoi pas donc sur des modèles beaucoup plus gros et complexes en termes de différentes épaisseurs de matériaux, etc. Pour comment bien le faire, comment intégrer des flèches, comment intégrer des géométries un petit peu spécifiques et comment faire des modèles qui ressemblent à des vrais. Celui-ci, c'est une réplique d'un mini MOA. Donc si vous cherchez mini MOA sur internet, vous trouverez certainement des jolies photos. D'ailleurs, je crois que je vous en ai mis une au début. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes et mettez bien sûr la cloche de notification pour ne rien louper. Voilà, n'oubliez pas le petit like si jamais cette vidéo vous a plu. À la prochaine, salut !